Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler des révélations de Shakiru depuis la Belgique concernant Amugu Belinga. Mais avant de commencer la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Après avoir quitté le Cameroun pour la Belgique, le célèbre homo camerounais, après une série de révélations sur la double vie de plusieurs personnalités qui s'adonnent à l'homosexualité en cachette. Dans une publication, Shakiru a promis de donner la liste des personnes bien connues par lui-même pour leur pratique homosexuelle. Alors que les Camerounais s'attendaient à une liste choquante, Shakiru choisit de faire par cas. Il s'attaque d'abord à Amugu Belinga, que plusieurs Camerounais soupçonnent d'avoir commandité l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Dans ce dossier, il n'est pas superflu de rappeler que le journaliste qui a été enlevé n'a pas été que torturé. Les autopsies révèlent qu'il a été sodomisé à plusieurs reprises par ceux qui l'ont enlevé. Pour revenir à Shakiru, ce dernier fait une dernière publication dans laquelle il affirme que tout ce qui est arrivé à Martinez Zogo, enlèvement et sodomie, est l'œuvre du Belinga. Oui, en effet, c'est lui qui l'a tué. Vraiment, sincères condoléances à la famille de ce journaliste animateur. Que son âme repose en paix. Personne ne mérite cela. Que justice soit rendue. Écrit Shakiru, qui prend cependant soin de ne pas citer le nom d'Amugu Belinga. Alors les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. À bientôt pour de nouvelles vidéos.